Triceratops. Fonds-la, et ça va chauffer. Gus, c'était bien le bon temps d'avant où chaque chose avait sa place. Ah oui, c'est bien vrai. L'ordre était un ordre. Les forts étaient forts, les faibles étaient faibles. C'est vrai. On était vraiment heureux en ce temps-là. Nous étions tous dans notre village sans peur, identique. C'était avant le téléphone. On se connaissait tous. C'était réglo. On a même des cousins qui sont partis s'installer en Amérique. Bah, ils ont bien viré quelques Indiens. Bah, faut bien s'installer quelque part. C'est pas de leur faute. Les femmes étaient blondes. Aux assemblées, elles étaient belles avec le micel à la main. Ah, c'était bien. Je m'en souviens pas parce que, en fait, j'y étais pas, mais on me l'a dit. Le bon temps, un autre siècle que j'aimerais tant retrouver. Le monde où on se ressemblerait, on sera tous enfin d'accord, même plus peur de la mort. Toutes nos vies seront basées sur l'évidence d'éviter toutes les différences. Aujourd'hui, nous sommes très loin de ce rêve. Ça me chiffonne. Mais j'agis comme si j'y étais. Je fais ma loi. T'es qui, toi? Tu fais quoi? Je te méprise si tu ne penses pas comme moi. Pour moi, tu divagues quand tu réclames une tribune. Tu crois qu'on reviendra jamais en arrière? Pour ceux qui pensent qu'à force, on risque de devenir consanguin, nos chefs ont trouvé l'antidote. Tu sens de l'eau bien virile dans les veines chaque matin. Pour enfin retrouver cet autre siècle, ce bon vieux temps. Ça reviendra, le monde où on se ressemblera. On sera tous enfin d'accord, même plus peur de la mort. Ah ouais! Toutes nos vies seront basés sur la même foi. Désinguer tout ce qui est pas comme moi. Et dis donc, arrête là. C'est complètement idiot qu'ils nous fassent chanter cette chanson tous les deux ensemble. C'est un non-sens, car selon la hiérarchie des chaussettes, comme stipulé sur le tableau qui fait référence derrière, et ben les chefs, c'est les jaunes. Ah ben non, je te signale que ton tableau, c'est un fake, hein. Regarde, voilà le vrai tableau. Ce sont les roses qui sont au sommet de l'évolution, vois-tu? Tu dis n'importe quoi. C'est les jaunes qui sont les mieux, tout le monde le sait. Ah non, c'est les roses. Les jaunes. Non, les roses. Non, les jaunes, je te préviens, si tu continues, j'appelle ma brigade anti-rose. Ah ben si tu fais ça, moi j'appelle ma brigade anti-brigade anti-rose. Et plus personne ne sera jamais dépareillé. Eh ben ouais, comme ça on viendra plus jamais chanter ensemble. Faut peut-être en parler au patron quand même, ça, non? Ah, c'est butnique. Ben ouais. Allez, va leur dire, toi. Ben, je croyais que c'était toi, le chef. Va leur dire, toi. Ah ben non, c'est toi, le chef. C'est toi qui va leur dire. Ben, je croyais que les roses étaient plus évoluées que les jaunes. Alors, c'est à toi de leur dire. Ah ben non, mais c'est toi, puisque c'est les jaunes les mieux. Non, vas-y, toi. Non, c'est toi. Non, toi. De toute façon, ils voudront jamais. Ils aiment quand c'est dépareillé. Ouais, c'est vrai. Ben, je me demande s'il va arriver un jour, ce monde d'avant qui est censé revenir. Aux yeux, tu sais. Moi aussi.